Ce samedi 5 octobre, Charlotte Casiraghi était l'invitée de l'émission italienne Le Parole della Settimana sur la Rai 3. La fille de Caroline de Monaco a eu de tendres mots pour son petit frère, Pierre, prouvant toute l'admiration qu'elle lui porte. Sa famille, son rock, pas de doute, Charlotte Casiraghi est très attachée aux siens. Elle ne manque jamais une occasion de leur apporter son soutien. C'était par exemple le cas lors du lancement d'Alter Design, la marque de vêtements de sa cousine, Pauline Ducruet. Charlotte Casiraghi avait alors tenu à être de la partie pour l'applaudir et célébrer ses débuts comme il se doit. Plutôt discrète sur sa vie privée, elle s'accorde quelques rares exceptions, adressant de tendres clins d'œil à ses proches. C'était le cas ce samedi 5 octobre. Cette fois-ci, la fille de Caroline de Monaco n'était pas entourée de sa famille. Elle a en effet loupé la fameuse secret game du casino de Monte-Carlo, puisqu'elle était en Italie. Malgré la distance, elle n'a pas manqué de penser à eux. Et notamment à son petit frère, Pierre Casiraghi. Invitée de l'émission Le Parole della Settimana, elle a été interrogée sur Greta Thunberg. Si elle ne connaît pas personnellement la jeune activiste, Charlotte Casiraghi a eu l'occasion d'en parler avec son frère. Son frère, son héros point et pour cause, en août dernier, Pierre Casiraghi emmenait Greta Thunberg à New York à bord de son voilier. Mon frère Pierre qui a emmené Greta à bord de Malaysia, son bateau, a été impressionné par la solidité de cette jeune fille, explique la maman de Raphaël et Balthazar. Et de détailler, parce que les conditions sont vraiment très très difficiles et qu'elle a une détermination, une force de résistance et un calme et ça a absolument impressionné mon frère. Quand on est en pleine mer dans des conditions comme ça, se révèle quand même quelque chose d'authentique, conclut-elle. Des mots qui sonnent comme un clin d'œil à Pierre Casiraghi, qui a suivi les traces de leur père en se passionnant pour les sports nautiques. Et surtout qui prouve l'admiration qu'elle lui porte. Seule fille de la tribu Casiraghi, Charlotte a grandi avec des frères très protecteurs. D'autant que les trois aînés de la princesse Caroline ont dû se construire sans leur père, décédé alors qu'ils étaient très jeunes. De quoi les souder et leur permettre de nouer un lien indéfectible.